Bonjour, je m'appelle Rimo, je viens de Nantes. Je viens jouer ici avec Nathan, qui est à la batterie, et Stéphane qui sera à la contrebasse. Je fais de la batterie et de la percussion, je viens du Cellier, à côté de Nantes. Et voilà, je joue avec Rimo depuis quelques années. Stéphane, moi je suis contrebassiste, bassiste, guitariste, je touche un peu à tout et aussi un peu à toutes les musiques, donc jazz, rock, chanson. Et donc là j'accompagne Richie Rimo depuis pas longtemps à la contrebasse avec plaisir. C'est de la chanson, chanson pop folk, tirant assez sur le rock de temps en temps. Donc plutôt folk dans le jeu de guitare et les compos en général. Il y a une énergie rock parce que ça passe plutôt en saturé de temps en temps. Et pop parce que c'est plutôt mélodie pop, assez populaire. Influences, elles sont plutôt multiples, on va dire. Il n'y a pas. J'ai du mal à avoir un groupe de référence. C'est un peu le. Après, il peut y avoir du Ben Harper ou des trucs comme ça, mais bon, après, ça ressemble pas plus que ça. C'est ça qui est assez compliqué. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait T-Dom. Qui est tourné pas mal dans la région. Et puis justement, à la fin du groupe, j'ai fondé Rimo. J'ai tourné 3 ans en solo. J'ai vagabondé un petit peu partout. Et puis à la fin, je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai choisi de prendre des musiciens avec moi pour ce projet. C'est quand même mieux. C'est plus intéressant et je me sentais, enfin, je sentais être allé au bout en fait du solo. Quoi. Je le garde pour certaines premières parties, mais à la fin on commence à faire le tour en fait de soi-même, quoi, à être tout seul. Donc Rimo TNT le 19 octobre à 21h et non 20h30 pour une soirée de plaisir commun avec le public. C'est un bon début. Est-ce qu'on est bien ? Oui. On est bien, ça va ? Si tu veux. Ouais. On peut en faire plein. Ouais, on peut en faire plusieurs extraits. Même, ça s'appelle. Là, on va faire. Dis tous les noms. Tourne les pages. On va commencer par ça. Allez. Thank you.
Viens un peu plus sage.